du Nouvel Atlantide, c'est l'esprit d'une maison. On a voulu vraiment marquer ça. C'est important pour nous que ce soit une maison de cuisiniers, une maison généreuse. C'est vraiment marquer une maison tout en étant un restaurant, mais que les gens, quand ils entrent, quand ils poussent la porte, qu'ils ont l'impression d'entrer chez un cuisinier dans sa propre maison, avec des grandes salles à manger, différentes salles à manger, différents espaces, un espace dégustation, un espace cuisine, cuisine privée, grande salle à manger, une salle panoramique, différents espaces. Il y a des gens qui préfèrent être ici dans cette salle, d'autres boire un coup dans le caveau, d'autres proches des cuisiniers. Certains, majoritairement les gens dans la grande salle panoramique qui surplombe la Loire, c'est une maison où les gens se sentent bien, où chacun trouve un peu sa place. Des chambres, quatre chambres. Voilà, c'est complémentaire à une maison. Dans une maison, on y couche, on y loge. Donc voilà, on a souhaité avoir quelques chambres pour accueillir quelques clients un peu privilégiés. Les gens viennent, ils dînent, montent à leur chambre, le lendemain matin, petit déjeuner. Voilà, il y a toutes des chambres avec vue sur Loire. Il y en a à l'est, il y en a au sud, ouest. Alors pour le nom, on a souhaité garder l'Atlantide parce que c'est une continuité. Le nom l'Atlantide, on peut dire que c'est un peu une marque qui est sur la place de Nantes depuis une trentaine d'années. En même temps, on a voulu marquer un peu aussi une différence parce qu'on n'est plus dans le même environnement. Donc on est dans une maison qui a été reconstruite en 1874. Donc on a voulu associer la date de la reconstruction à 1874, qui est inscrite sur le tuffeau à l'extérieur. Et on s'est permis de graver en dessous 2014, à la date donc, où on a recommencé les travaux. On a restauré toute la maison. Quant à la cuisine, c'est grosso modo, c'est une continuité. Là, on est en novembre. On va prolonger la carte qu'on avait mise en place à la fermeture, à fin octobre. Il va y avoir forcément quelques nouveaux plats. Je pense qu'on va être inspiré, mais je pense qu'il faut qu'on prenne possession des lieux, de la cuisine, qu'on s'imprègne de la maison. Et là, je pense que les idées, on va avoir envie de changer plein de choses dans la carte au fil du temps, quoi. On n'a pas voulu faire quelque chose de trop élitiste. On a souhaité quelque chose d'assez simple, tout en étant quand même de qualité, de bon goût. C'est un endroit dans Nantes un peu exceptionnel. Les portes de cette maison étaient fermées depuis 35 ans. Tous les Nantais sont passés au pied de cette maison. Tout le monde a rêvé y entrer un jour. Je pense qu'aujourd'hui, ils en ont la possibilité. C'est vraiment, je pense, à la portée de beaucoup, beaucoup de gens. Les premiers menus sont vraiment pas très chers. On est très accessible à déjeuner. Je pense que ça vaut le déplacement, quoi. Je pense qu'il faut venir une fois ici découvrir la maison, la vue, que ce soit maintenant, au beau jour, les terrasses. Ça mérite vraiment le détour, quoi. Les Nantais et les autres. J'aime bien Jean-Yves Guéhau parce que Jean-Yves Guéhau, c'est un chef multifacette. C'est-à-dire que, comme par hasard, il occupe une place dans son restaurant gastronomique qui est un peu situé entre le fleuve, la terre. Et puis le ciel, on dirait comme une marche vers le paradis. Donc, il regarde un petit peu de haut, dans le plus joli sens du terme, la gastronomie locale. Alors, Jean-Yves Guéhau, c'est un homme qui sait comme ça, à sa manière, multiplier les fonctions, plaire à celui qui aura envie d'un produit un peu plus noble, et puis à celui aussi qui viendra juste pour un petit filet de maquereau, mais aiguisé, amusé par une sorte de compotée de citron dont il a l'art et la manière de faire. Alors j'aime bien, c'est un homme qui est un jongleur de saveurs, c'est un homme qui s'amuse. Il aurait pu faire la cuisine sous un chapiteau de cirque parce qu'on vient le voir pour avoir ses facéties et en même temps tout son sérieux d'équilibriste du bon goût.
Alors je sais, mon cher Jean-Yves, que tu ouvres une nouvelle boutique, on va appeler ça comme ça, donc on va en parler de cirque. Eh bien, j'espère que le chapiteau sera très haut tendu pour pouvoir accueillir tout ton talent. Moi, je te souhaite une belle chance et continue de regarder comme ça les beaux produits droit dans les yeux. Tu sais, tu as tellement de talent pour le faire.